Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dark Souls The Scroll of the First Sin. Yulia, bah je t'invoque. Bah je t'emmerde. Quoi? Maintenant je peux? Yulia, bah je t'invoque. Très belle profondeur de champ. Voilà, parfait. Voilà ce qui se passe quand vous abusez du flou gaussien sur Photoshop. Par contre, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans For Honor, c'est les émotes. Parce que si tu fais une émote tout en bougeant, tu peux spammer l'émote. Et ça te donne des résultats tellement tordants, suivant quoi. Que franchement, je vous conseille de le faire très souvent. Vous vous marrez plus d'une fois. Jusqu'à ce que vous trouviez que... Non, en fait, c'est bon, c'est surfait l'effet. C'est plus drôle maintenant. Moi, personnellement, j'ai pas encore eu cet effet. Pour moi, c'est toujours aussi drôle. Je ne sais pas où est mon allié, mais il a l'air de ne pas se rendre compte qu'il existe des raccourcis ici. Ah, j'étais pas obligé de tomber, tu veux dire? Semblerait. Non mais roll et casse-toi. Bon, de l'astuce, vite fait, hop. Par contre, si vous pouvez ressentir mes coups, ce serait pas du luxe. D'où tu viens, toi? Ah, la crève. Ces gens. Bon, Yulia, je sais pas où t'es, mais il va peut-être falloir que tu te pagnes le cul un jour. Parce que je sens que je vais challenger le boss de la zone, que tu seras même pas encore venu. Faut que je baisse ça? A servi à quelque chose? Ouais, ça d'ailleurs, je suis en train de me demander. Et ça à quoi la touche B dans For Honor? Plus j'y pense et plus je crois qu'elle sert à rien en fait. J'ai une explication tout à fait rationnelle. Le jeu a cheaté. Vous jure, c'est ça. Le jeu qui a triché là. Pas, c'est pas que je suis nul. Il a triché. Voilà. On part avec ça. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas comme si le mec qui était avec moi était utile. Ça, c'est comme dans For Honor, hein, ça... Il n'y a pas de différence, hein, les alliés sont tout aussi utiles. Parce que dans For Honor, si ça vous intéresse, essayez d'aller jouer au mode Dominion, tout seul. Et quand vous êtes à un endroit et que vous êtes en train de vous faire gank, appelez à l'aide. Il y a une touche très bien, vous pouvez spammer l'appel à l'aide, c'est nickel. En plus, ça indique à vos alliés exactement où vous êtes, autant à l'écrit qu'à l'écran. Et il y a un pilier de lumière qui s'érige là où vous appelez à l'aide. C'est génial. Et vous verrez qu'absolument personne ne viendra.
à croire que c'est pas assez voyant ou alors qu'en fait ils ont vraiment pas du tout envie de vous aider. Et pourtant, moi j'appelle toujours à l'aide sur des points qu'il faut capturer. Donc je sais pas. Hey, y a quelqu'un à invoquer! Yeah! Je t'invoque! Malkavian 407. Ok. Ça marche pas vraiment, ça. Coucou copain, coucou. Copain. Aïe, ça craque. Il s'est-il passé un truc? Eh oui, tu croyais que j'avais jamais fait ce DLC, mais j'ai déjà fait, haha, une fois. Je plaisante pas, j'ai fait tous les DLC de ce jeu juste une fois. J'ai fait le jeu des tonnes de fois, mais le DLC qu'une. Tous les DLC d'ailleurs, une seule fois. J'ai marché sur un truc. Oui, bon, bah je te laisse passer, c'est bon. Cool, un truc. J'arrive, mon grand. Allons tuer des méchants. Ressusciter, d'ailleurs. Ah, merde. J'ai essayé de roll avec A. Encore. Il va te faire foutre. Voilà. Aïe. Je fais vraiment de la merde aujourd'hui, hein. Moi j'ai vraiment trop joué à For Honor. D'ailleurs j'étais très déçu, dans For Honor il n'y a pas une classe avec une grosse épée de malade à deux mains. Il y a une classe avec une grosse masse dégueulasse. Une espèce de gros tas appelé le Shoguki. C'est de la merde. Ça t'embête pas hein, si j'ouvre les coffres au lieu de t'aider. Je pense que ça t'embête pas. T'as l'air clean avec ça. En fait, je suis même pas sûr que d'ouvrir ces coffres soit utile. Y'a quoi dedans? Tablette de tête. Ouais non, c'est pas très utile, hein. J'ai déjà mon arme au max. Après, remarquez, si je veux changer d'arme, ça peut être utile. En fait, du coup, désolé pour la semaine. Ça sert à quoi ce bouton? D'accord. J'arrive, monsieur, hein. J'arrive. Un coffre. Il est piégé celui-là, non? Oui. Foutre. Bonjour. Il est méchant le monsieur. Ouais, genre je peux pas t'empoisonner parce que t'es dans le DLC du poison, c'est ça. Il semblerait que je peux pas l'empoisonner.
L'impression que mon acolyte est en train d'attendre quelque chose. Je crois qu'il voulait que je marche sur la marche. Rien n'est moins sûr. Ah putain. Oui, c'est bon, je remarche dessus, t'en fais pas. Y'a quelqu'un qui chante. Faut aller tuer là, quelqu'un qui chante. Oh cool. Ah, j'avais tout, j'avais oublié ce détail. Alors ici, je peux descendre là où mon anneau draconique me dira jamais merci. Pardon monsieur. Je grimpe. Laissez-moi grimper. Oui, c'est vrai que ces trucs, quand ils crèvent, ils font un nuage de poivron. Je suis pas équipé de mousse d'ailleurs, moi aussi. Si. Bon, c'est bon, j'ai tout prévu. Hein. Bonjour, j'ouvre ce coffre, vite fait. Bon, d'accord, je m'en vais. J'arrive, mon pote. Ah oui, c'est vrai que toutes ces armures, en fait, c'est les mecs chevaliers fantômes. Voilà, lui, il est devenu tangible. Lui aussi. Aïe. Ils sont tous two-shot. Quoi, tâche terminée? Ah oui, c'était une ombre. Mais... Oh putain, la visée! Vise le mec à côté, merde! Putain! C'est... Ouais, non, en fait, la visée est comme dans For Honor. Hein. T'as le mec en face de toi, collé à toi. Le jeu, il va viser le gars là-bas. Ça te fait foutre. Putain, en plus, c'est pas la fin de la vidéo. Hein. On va continuer. Y'avait pas un feu près de là où j'étais? À un moment? Je pense que je peux, sans autre, skip tous les ennemis. J'irai facilement même. Aïe! Pas le poison c'est pas bien. Alors j'attends juste qu'il vienne, ce con. Bah viens, par contre. Les autres fois, t'avais pas besoin d'une invitation, hein. M'en fous. Mec, là, par contre, va falloir que je me les fasse, cette fois. Que le dragon ne revient pas deux fois, hein. Bon, je l'ai one shot. Pas two shot. Par contre, c'est chiant si je suis obligé de redescendre en fait. Parce que mes âmes, elles sont là-bas quoi. Alors, ton Kamehameha des ténèbres, je t'emmerde. Non! Mais j'ai pas marché dessus! Si? Oui, alors prenez-vous mes coups. Par contre, s'il vous plaît. Je veux bien qu'on s'éclate ensemble, mais prenez vos coups. Très bien, très bien, très bien! Ah!
J'ai perdu 40 000 âmes, non? Je peux avoir quelqu'un invité qui n'est pas une grosse tante et qui essaye pas de faire en sorte que je tombe dans tous les pièges, s'il vous plaît. Parce que le mec, il m'a même pas averti du piège, hein. Il était là en mode. Je suis devant le piège, comme ça, même si tu essaies de l'esquiver, ben tu tombes. Je suis drôle. 5 couleurs. Non mais le jeu, respecte-moi s'il te plaît, j'ai déjà perdu 40 000 âmes, t'es pas obligé d'en plus m'envoyer un esprit sombre dans la gueule. Bah t'auras pris le temps toi. Hein. Ouh. On est envahi si jamais. Je sais pas où il est, mais on est envahi. Mais pourquoi vous faites tous le tour? Vous oubliez qu'il y a un raccourci ou quoi? Ils sont incroyables ces gens. J'aurais meilleur temps d'invoquer une IA. Je autorise-moi à invoquer une IA. Viens pas m'aider surtout, hein? Je sais pas contre quoi tu te fight, mais viens pas m'aider. C'est toi qui as invoqué, hein? Moi je peux mourir. D'accord, bonjour. Bonjour les dégâts! Merci. D'accord, je comprends pourquoi tu n'es pas venu m'aider. T'avais trouvé l'envahisseur. Je sais pas où est-ce qu'il a apparu, hein, par contre. Bon, bah, du coup, maintenant j'en ai rien à foutre de mes âmes, donc je pourrais ne pas suivre le chemin. Ça, c'est cool. Tu peux venir? Il te faut une invitation? Tu le dis, hein, si je te fais chier. Je te désinvoque. Bref, dans tous les cas, on continuera dans la prochaine vidéo avec lui. Merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine.